Salut les amis, comment allez-vous? Moi, ça, pour ma part, ça va très bien. Donc, rendez-vous sur Bravely Default, donc en petite vidéo explicative, tout ça pour vous dire en fait bah, où j'en suis, un petit peu qu'est-ce que c'est Bravely Default, et donc bah, après, donc on se retrouvera pour un gameplay, peut-être plus tard dans la journée ou demain ou dans la semaine, de toute façon, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres prochainement. Donc voilà, le tout pour que vous puissiez en arriver où j'en suis en fait. Donc arriver au même endroit que moi, avec les mêmes équipements, les mêmes classes, et tout ce qui s'ensuit en fait. Voilà. Donc Bravely Default, qu'est-ce qu'ils nous disent à l'écran? Donc retrouver d'autres joueurs. Demande de l'aide à vos amis avec demandez de l'aide à vos amis avec mentorat et assistance. Donc vous obtiendrez automatiquement les dernières données d'amis à proximité en utilisant Street Pass chaque jour. Pour vos alliés plus éloignés, connectez-vous à Internet pour mettre les données à jour. Voilà. Donc on est parti. Donc ça c'est le petit menu d'accueil où vous choisirez en fait votre partie. Donc vous faites ensuite lancer la partie ou nouvelle partie si vous n'avez pas encore commencé. Donc voilà où j'en étais. Donc j'étais à une grotte en fait. Je venais d'aller voir un vieux monsieur qui vit reculé pour me faire une sorte de robe en fait qui va me procurer des pouvoirs. Et voilà, je vous en dis pas plus. Pour le moment. Donc si vous voyez la carte de l'écran du bas en fait, il y a un trou au milieu, vous remarquerez, sur une sorte d'île. En fait, il s'agit de l'emplacement d'un petit village d'où provient en fait notre personnage principal, qui est en fait Tiz. Donc Tiz, T-I-Z, vient de ce village. Il en est le seul survivant. Et un peu plus tard, il va rencontrer Agnès, une Vestale, qui est en fait une sorte de prêtresse qui est en fait censée faire des prières pour le cristal du vent, puisqu'elle est la Vestale du vent, pour qu'il reste sain et qu'il agisse en fait pour protéger son village et le reste du monde. Voilà. Et donc un beau jour, il va y avoir les ténèbres qui vont investir ce cristal. Et il va y avoir un gros trou dans le village où Tiz vivait. Donc c'est de là que va partir leur rencontre. Donc au fur et à mesure, ils vont rencontrer deux personnes. Donc dans l'ordre Ringabel et Dea. Donc pour la petite histoire, Ringabel en fait est un fan de jeunes filles, assez pervers et n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Et donc vous allez le rencontrer suite au fait que. Je sais plus exactement la suite de quoi on le rencontre d'ailleurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a perdu la mémoire et il va transporter un journal sur lui qui va en fait qui est en fait une sorte de journal du prophète qui va annoncer l'avenir en fait. Donc c'est son journal qui va lui annoncer qu'il était censé rencontrer Tiz et Agnès et plus tard. Edea, qui vont vivre la grande aventure avec des détails assez troublants. Donc voilà. Donc ici, le petit menu, vous pouvez sauvegarder, aller sur le panneau des quêtes, importer des données, aller dans le village de Tiz, puisque Tiz s'est donné pour mission de reconstruire lui-même et tout seul son village d'origine. Donc vous devez le reconstruire petit à petit. Et donc le fameux journal qui peut donner des descriptions sur les classes, des aides sur le jeu, tout ça,
Donc pour le village en fait c'est juste. Donc j'ai dégagé une zone, ça c'est super. Donc on va fermer. Le cadeau reçu, donc on a un collier, une pierre de renvoi. Voilà. Donc on a le fameux petit village. Donc j'ai reconstruit au niveau 3 le marchand d'alchimie, enfin l'alchimiste. Je sais pas comment on peut l'appeler exactement. Et donc l'armurerie qui est au niveau 2. Donc tout ça pour pouvoir acheter en fait des objets. Voilà. Donc après il y a des zones à découvrir, ce genre de choses. Voilà. Donc ensuite, niveau équipement, oui, parce qu'il faut que je vous en parle, pour que vous puissiez aller là où j'en suis. Donc Edea a un sceptre du Mithril, un sceptre, une tricorne qui va, enfin un chapeau tricorne qui va améliorer son attaque magique, la robe de soie qui l'améliore aussi, et la cape blanche en tant qu'anneau qui annule le mutisme. Vous avez Tease qui a un arc en fer. Il a également un plastron de bronze qui protège le torse et en anneau les gants de voleur qui améliorent les chances de vol. Agnès possède donc le bâton de Mithril, un bâton, un chapeau de tricorne qui augmente l'attaque magique, la robe de soie également et un anneau qui est le bracelet de bronze qui accroît en fait ses PV. Et pour finir, Ringamel qui a Lisé no Kami qui était en fait l'épée de base d'EDA. Il a un bouclier, un casque de bronze, une armure de bronze et le pendentif étoilé en tant qu'anneau donc qui annule le poison. Donc comment avoir tous ces objets? Eh bien tout simplement aller dans le royaume de Kaldisla, donc ça va être ça va être la première ville que vous allez rencontrer. Aller chez l'aubergiste, fouiller bien partout une fois que vous aurez fini, enfin accompli vos missions, et vous pourrez obtenir déjà un objet. Faites bien ensuite tous les donjons avec tous les recoins, ce qui vous permettra d'obtenir tous les coffres et donc tous les équipements qu'il vous faudra pour arriver jusqu'où j'en suis. Et au pire, s'il vous manque toujours des choses, vous avez le marchand du village d'Ankem, là où est originaire Agnès. Et donc vous allez là-bas, et c'est là-bas que vous trouverez le reste de votre équipement. Voilà. Donc Edea est au niveau 13, Tease également, Agnès aussi, et Ringabel au niveau 12. Au niveau classe, donc j'ai mis Edea en mage noir, niveau 3. J'ai mis Tease en voleur niveau 2, Agnès en mage blanc niveau 4, Ringabel en chevalier niveau 3. Et sachez que pour avoir la classe voleur et la classe marchand, il vous faudra faire deux quêtes secondaires après avoir quitté Ankhem afin de les obtenir. Donc vous devrez pour cela battre un méchant, enfin deux méchants en fait, pour avoir ces classes. Sachez que vous ne pourrez pas avoir la classe marchand sans la classe voleur, donc il vous faudra équiper un de vos personnages avec la classe d'avant, qui est donc en fait le voleur pour avoir la classe marchand. Voilà. Donc Agnès était, pour la petite histoire, Agnès était accompagnée d'une petite fée qui s'appelle Eri, Airy. Qui va l'accompagner en fait dans son aventure. Et vous apprendrez que chaque Vestale peut avoir une fée pour l'accompagner, si je me rappelle bien. Donc voilà pour là où j'en suis en fait
voilà où j'en suis, voilà comment ça fonctionne. Alors Bravely Default, pourquoi Bravely, pourquoi Default? On va faire un petit combat pour vous montrer ça. Sachant que Bravely et Default sont tous les deux en quelque sorte des types, des genres de combats. Voilà, si on arrive à déclencher un combat, ça serait bien. Disons que ce serait sympa. Voilà, ça y est. On en a un. Donc, Bravely et Default. En fait, Bravely, c'est en fait Brave en mode combat. Donc, ce qui clignote en jaune, c'est pour dire que c'est la résistance au vent. Tease possède la résistance au vent. Brave, pourquoi Brave? En fait, c'est Brave est un mode de combat qui va vous permettre de dépenser ce qu'on appelle des PB. Donc, en gros, c'est vous avancez sur le nombre de tours et vous allez pouvoir ainsi enchaîner différentes techniques pour faire du mal à vos ennemis ou soigner vos alliés. Donc, vous pouvez en faire jusqu'à 4 et c'est de l'avancement sur tour, c'est-à-dire que si vous dépensez par exemple 4 PB et que vous tombez en négatif sur du moins 3, vous allez avoir 3 tours où vous ne pourrez absolument rien faire. Donc c'est d'avancement sur du temps. Et Default, c'est un peu la même chose, sauf que lui, il va vous permettre de vous défendre physiquement et de façon magique, donc de réduire vos dégâts magiques et physiques que vous allez encaisser et vous donner un point de PB à chaque default, ce qui va justement vous permettre possiblement de ne pas tomber dans le négatif et pouvoir enchaîner ainsi plusieurs coups sur vos ennemis. Donc là, si par exemple je fais 4 Braves sur EDA, elle ne pourra pas agir pendant 4 tours. Et donc je peux lancer. Donc je peux annuler ça avec B. On a annulé un Brave avec B. Et donc je choisis une compétence de mage noir. Et je choisis de faire des dégâts de foudre sur tous les ennemis. Donc je répète l'opération 3 fois. Ou plutôt en fait 4 fois. Voilà. Pour Tease, je vais faire la même chose parce qu'en fait c'est des ennemis qui sont pas trop puissants, donc on peut se permettre de faire ça. Donc je vais voler un monstre et le reste je vais leur faire un coup de chevalerie. Donc à savoir que oui, en effet, vous avez une classe que vous possédez, mais vous pouvez utiliser les techniques d'une autre classe pour compléter. Voilà. Donc je vais continuer avec des Braves. Cette fois-ci je vais utiliser une magie blanche histoire de soigner un peu mon groupe. Donc je vais faire du soin sur tous. Ensuite on va utiliser un peu de magie noire. On va mettre le feu à tous les ennemis. On recommence une fois. Et on va essayer par la même occasion avec de la magie blanche. On va faire une attaque au corps à corps. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais au moins ça évite de dépenser des PM, donc des points de magie, et donc d'éviter de tomber à court de magie pour les futurs combats qui risqueraient d'être difficiles. Et c'est parti, donc on lance les attaques. Donc j'ai volé les dernières. J'ai rien pu récupérer. Et vous voyez les dégâts que je fais. Hein. Donc là, il m'a empoisonné Agnès. Et Edea.
Donc là, j'ai gagné avec des bonus gagnant un tour et intrépide. Voilà. Donc là, Ringabel va bientôt monter au niveau 13, comme vous pouvez le voir. Et Tease va bientôt monter voleur au niveau 3. Ah, Ringabel a même monté de niveau d'ailleurs. Donc il est actuellement au niveau 13. Donc voilà les amis, on va sauvegarder et quitter puisque bah, maintenant vous savez où j'en suis et ce que j'ai pu faire. Donc voilà, bah, suivez bien, faites bien tous les donjons. Si je peux vous donner un conseil pour en arriver où j'en suis, donc faites bien tous les donjons, faites récupérer tous les coffres et puis laissez-vous guider par l'histoire. Faites les quêtes secondaires que qui vous seront proposées et vous arriverez ainsi là où j'en suis. Donc j'ai quitté la ville d'Ankhem, je suis allé voir une sorte de vieux couturier qui était le couturier personnel d'Agnès et maintenant je suis parti pour aller récupérer, si je me rappelle bien, du matériel pour qu'il puisse fabriquer cette robe magique. Voilà. Donc on va retourner à l'écran titre et on va se quitter sur ce joli, sur ce bel écran. Voilà. Allez, ciao!